Bon, nou te vle fè sa ntarele, yon rezume sak soti de, justement, interview de Kamala Harris, et en pile républicain taptan, et qui sa ken kapab retenu, le terme qui signale sa banon avant 10 septembre, côté qui va le gagner, et laisser frapper ça. Donc, d'abord, on nous dit, et ça important, nous va souligner des points importants. Harris Kamala, il y a un causier fracking. Fracking, peut-être qu'il n'est pas important pour vous, mais ça ne pas. Moun Pennsylvania, comme ça, n'a pas parlé. Vous comprenez? Pennsylvania, c'est côté qui gagne plus de monde qui travaille dans le domaine ça. Et ça passe dans le causier fracking, non? Si un monde ou dit ou contre fracking, eh bien, Pennsylvania n'a pas marché à vous. Le terme, ça qui est dans cause fracking, c'est nous connaissons une bataille qui est entre monde qui a eu salé dans la protection de l'environnement, de réduire la pollution de l'air. Là, on parle de fracking, ils ont attaqué Sandarele, ils ont attaqué la pollution de l'air. Donc, pas oublier qu'un démocrate avec républicain, démocrate qui toujours attaque pour protéger plus l'environnement, alors que les républicains ont toujours dit eux-mêmes, c'est fait quoi, vous comprenez, c'est aspect l'argent simplement. Mais ça passe, Harris Kamala, bien que il dit le flip-flop, mais il dit, c'est vrai que dans le temps passé, il était opposé fracking, mais qu'on est là, lui, justement, pour fracking, il pensait que nous sommes capables toujours protéger l'environnement, et puis nous faire fracking. Il dit le flip-flop, mais Harris Kamala défendu assez bien, il dit, attention, mon cap dit le flip-flop, il dit, c'est moi-même, et là, il a bien répondu. Et il te dit en 2022, il vient avec Biden, il te dit que le pape était fait avec fracking. Il dit en 2020, en 2022, c'est lui qui t'a voté. Et là, il a une belle réponse. Il dit c'est lui qui t'a voté pour te faire tie-break dans le Sénat pour que tu aies une expansion de fracking. Donc là, on doit dire le flip-flop, dire le sauvelet. Bien là, il explique pour qui ça. Mais pas oublier que son dossier qui est fondamental, il ne faut pas parler de Pennsylvania, c'est côté, on dit c'est Battleground State. Puis il y a plus collège électoral vote. Donc, on peut comprendre que le dossier, ça, justement, qui concerne surtout le monde qui a fait le Pennsylvania, est vraiment important dans l'argumentation et Kamala. Et attendons que, autour du débat, on va parler de causer fracking. En fait, je t'ai posé la question tout, est-ce qu'il est capable d'utiliser des républicains comme ministre lorsqu'il devient président? Il dit, il n'y a pas de problème, il est capable de toujours mettre un républicain dans le poste ministre, elle finit, et lui expliquer que, pas dans quel nom, mais il dit, attention, nous gagnons 68 jours. Je dis, on est capable de parler de presque, 68 encore, 67. 67 jours pour nous arriver dans l'élection, donc il est encore tôt. Et là, on a posé la question sur Donald Trump qui a dit qu'il n'est pas noir, il fait qu'on a le tourné noir. Oui, on a Harris Kamala qui, comme si, qui dit, mon cher, même bagala, c'est moi, même Trump là, il dit next question. Il va aller sous causer ça. OK? Il va aller commenter sous causer Trump qui a dit l'effet tourner noir bah ça. OK? Et Harris Kamala a parlé tout dans qui circonstance que Biden tire le 21 juillet pour dire que justement la baie vague la petite école dans course là. À ce moment de la durée, Harris Kamala qui dit Donald Trump premier compte. Première inquiétude, c'est pas lui-même, c'est en fait qui dit à Biden. Première inquiétude, c'est pas candidat non, il demande à Biden, est-ce que tout bon vrai, est-ce qu'on sûr? OK? Il dit penser, c'est pas de lui-même, mais c'est à propos de Biden, il demande est-ce que tout bon vrai qu'on voulait aller. Donc, son façon pour dire que préoccupation, justement, c'était autour de Joe Biden, mais c'est pas gain politique personnel. Mais en plus, on constatait que Harris Kamala, justement, c'était un monde qui était modéré, maîtrisé. Donc, réponse liée à point. En plus, on a cherché trop vide. 27 minutes d'interview. On a cherché trop vide. Il n'y a pas besoin de trop vide. Non, la vérité. S'il est vrai que nous n'avons pas dit que l'interview a ballon booster, mais ça a créé un pile républicain taptant. C'est pour ça qu'on demande l'interview. Justement, nous avons pas pour critiquer. Donc, ils rejoignent. Et Harris Kamala, qui était vraiment remarquable dans la première interview que le bail depuis que il engagé dans la bataille pour les Alchita sous et Chesbourea. Donc, lui-même avec vice-président Tim Walz, et lui répondre toutes questions sans nous capable dire sans que je ne dis à lui pas gain ça ndarelé on blessure politique et lui justement pas gagner des mauvais effets et j'ai en pile républicain t'es espéré que t'as pas le dire un mauvais bagaille donc ça va faire et c'est yon Harris Kamala qui justement tape fait ce qui arrivé 20 ça que Biden va arriver fait en politique par exemple elle a parlé d'insuline pour insuline qui tombait réduit elle a parlé de fracking en Pennsylvania donc c'est Harris Kamala qui arrivé défendre un ensemble de politiques que même Biden pas arrivé et fait donc nous capable dire et Kamala c'est vraiment une seule personne capable vendre nos idées beaucoup mieux et beaucoup mieux il était arrivé défendre accomplissement pendant que il était justement vice-président. Donc si tu as un doute et ça passe à montrer que Harris Kamala est justement capable de défendre tête li dans un éventuel laisser frapper avec Trump et il faut nous dire parlant d'éventuel il y a un débat qui pour que Harris Kamala pour finaliser c'est causé micro fermé jusqu'à présent Harris Kamala a bataille pour que micro arrête ouvert c'est argument ça il dit son débat lié si mon veut réagir à chaud faut le capable réagir à chaud donc Harris Kamala qui jusqu'à présent et gagner point ça on capable les un point de débat c'est causé micro fermé donc est-ce qu'il est capable de faire pour ça mais est-ce que causer et micro fermé pour qu'on finisse résoudre. Indirectement, Kamala Harris veut rappeler tout le monde que c'est pas lui qui est président. C'est vrai que lui est vice-président, mais c'est pas lui qui est président pendant les 4 dernières années. Et donc, côté que lui dit que lui est fier de faire le vice-président, il est bien souligné, il dit que moi fier parce que je m'étais servi comme vice-président. Et je ne dis elle dit moi fier du fait que je ne dis pas dans course là pour moi vini président avec Tim Walz comme vice-président pour que lui mène pays à la position que pays a mérité et parler c'est important new way forward ça façon vous dit que c'est un new way forward puisque bral jouer rôle président son page qui bral fermer pendant les décennies comprenez bien donc il parlait de l'autre page c'est-à-dire dit que faut nous clé sur ça. Ce sera la présidence de Kamala Harris. En d'autres termes, Kamala Harris qui voulait rappeler tout le monde qu'il était vice-président. En d'autres termes, toutes les grandes lignes d'action, c'est vrai que dans une certaine mesure, il rejoint Biden, mais c'était un teammate, il était un vice-président. OK? Donc, cette façon vous dit que désormais, c'est pour le président et la présidente Kamala Harris. Et ouais, on Kamala Harris tout cap chercher votre républicain. OK? Ouais, on Kamala Harris cap vivre, cap move vers le centre. Côté que l'a abandonné Sandarele extrême droit, extrême gauche position et enfin des positions que peut-être qu'elle était gagnée en 2020. Donc ouais, on Harris Kamala cap entrer vers le centre parce qu'il a besoin quelques partis des grands bons républicains cap soutenir. Et bien d'où elle dit li open pour le ta by job avec un républicain dans cabinet la communiste un geste symbolique justement qui vous montrer que il décidé gouverner et son base et bipartisan ça qu'il pensait qui t'a pas au bénéfice du peuple américain pour ta gagner un membre dans cabinet là qui t'a un républicain. OK donc après que son Harris Kamala, je ne veux dire qu'il parle parler des races et tout. Il parle parler des sujets. Ça. Sans façon, il parle comme on dit que le président, c'est peut-être les noirs. Il parle faire débat ça. De plus, il fait débat sur des séries de sujets, mais il peut poser Kamala Harris question sur couleur. Parce qu'il parle pour personne dit que la président a choisi parce qu'il est noir, et la président a choisi parce qu'il est femme. Mais la président a choisi pour s'allier, pour batailler sur l'idée qu'il a descendu. C'est ça. Et c'est sous point ça justement que Kamala Harris t'a voulu que représente et t'a voulu et c'est perception ça qu'il t'a voulu pour mon yo gain de lui-même. Donc voilà, et attendons qu'on parle gain Kamala Harris qui va le faire d'autres déclarations. Donc c'était une analyse justement de première interview Kamala Harris.